Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Revelio. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Ranrock. Stipendio. C'est notre porte d'entrée. Wingardium Leviosa. Bon. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman. Attraper une bestiole politique dans les filets. Ah!
une marée. Rebellio. Bon. Un beau combo, ça. Ok. Rebellion. Confringo. J'ai pas suivi. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Confringo. Rebellio. Confringo. Et voilà. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elle nous mène. Rebellio.
C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. L'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Revelio. Où est ce portrait? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Monsieur, je pense avoir fait mes preuves. Au vu de ce qui s'est passé, vous devriez peut-être tout me dire. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Revelio. À vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Revelio. 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 Confringo. Confringo.
Protego. Flipendo. Confringo. Je comprends rien. Préparons. Confringo. Okay. Wingard, il est mieux ça. Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Revelio. Je vais devoir me déplacer. Confringo. Wingard Leviosa. Okay.
Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Rebellion. Kiklingo. Confringo. Descenso. Descendo. Flipendo. Action. Wingardium Leviosa. On peut pas aller là. Rébellion. Wingardium Leviosa. Préparons.
Regarde bien ça. Revelio. Je joue mal. Oh shit. Rebellion. Rebellion.
Confringo. Wingardium Leviosa. Il y a un pilier ici, mais aucun rebord au canon. Allez, j'ai pas le bon. Après avoir tiré le bloc sous l'arche, je peux le placer ici, en étant de l'autre côté de l'arche. Oh, j'ai fait bugger, c'ti. Réveillon. Thank you.
Ringo. Ringo. Descendo. Restruction. Action. Stipendo. Wingardium Leviosa. Quelque chose, je peux aller chercher. Confringo. Il y a un coffre, j'ai pas vu ça à ouvrir. Bon. J'ai 8 choses.
fuck. Que je travaille celui-là. Ah, si, faut que je les fasse à chaque fois tout, c'est moins le fun. Ah, si, je regardais. Pas concentré. Pas concentré. Pas concentré. Mystique. Ouais, mais je les garde pour le prochain boss. Confringo.
Allez, Mystica Luna. Bon, pas pris de patient, yes sir. Bon, on va essayer. Non. J'ai fait mon affaire trop vite. Ah, je l'ai pas. Yes!
Longshot. Lanza. Asti. Quel soulagement. Quel soulagement sortant. À médium en plus, le pas easy pour moi d'histoire. Revelio. Allez, on observe ça. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... On dirait qu'il y avait une petite latence. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père... Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Ah bah, il a enlevé sa peine. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Revelio. Confrigo. C'est bon, c'est vu que c'est une des missions principales majeures, vu qu'il y a un gros buff, ça a pris une heure toute l'affaire au complet. Vous êtes de retour. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était... de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves.
Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Oh, cinématique. On est rendu l'hiver. Il fait froid. Il me manque une clé. Il y a celle-là, pareil, j'ai pas fait encore. Les quêtes. La clé, il faut que je me promène dans le château puis je l'entende. Nati m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir ? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Elle va m'apprendre une nouvelle magie. Bon, obtenir un Dirico avec le sac de capture. Obtenir un crapaud violet. Géant dans le... Ah, c'est-tu que j'ai ça? Elle me dit où les attraper. Je vais lire les lettres avant, là. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches. Rebellion.
On est dans le côté de Gryffondor. Allô, Mora. Allô, Mora. J'ai le niveau 1 et 2. Et voilà. Ah, ça, c'est le coffre de Gryffondor. Il me faut les pièces. Il m'en manque juste une. Ben, là... là. Je tombe pour le coffre de ma maison. Et là, il m'en manque une. Une pièce pour l'ouvrir. Sur 16. Et tout c'est ça, faut que je suive, mais... Il doit pas avoir de clé, c'est dedans. Hein. Il y a un coffre de cachet dans une salle. Niveau 3, niveau 1. Allô, Mora. Je vais enlever de quoi qui me gosse. Hein. Ouais, je viens de l'enlever. Ah, je pense que je sais que je... Il y a une porte à ouvrir là. Ou l'enlever, c'était... Allô, Mora.
Revelio. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. J'ai dit que je le ferais. Vous devriez. Vous devriez lui demander. Ça ne risque pas d'arriver. Non, cette fois, c'est la bonne. Cette tapisserie représente le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités dirigé par Sir Patrick Delaney Portmore. Il organise régulièrement des jeux. Le groupe est notamment connu pour avoir refusé la candidature du fantôme Gryffondor sur Nicolas Mincy Porpington, puisqu'il n'est pas entièrement décapité. Rebellion. Bon sang, faites-le, madame. M'accorderiez-vous cette danse? Cette salle sombre, sombre, spacieuse des cachots inférieurs de Poudlard est idéale pour les occasions d'anniversaire de mort organisées par les fantômes du château. La plupart des mortels évitent ce genre de réjouissance car on y sert généralement de la nourriture pourrie afin que les fantômes en perçoivent l'odeur. Revelio. Oh! Je n'avais pas vu celle-là. Revelio. Allô, Mora. Niveau 2. Allô, Mora. Je pense qu'elle est là, la dernière. Cette pièce servait apparemment de punir les élèves de l'école, bien que la torture physique ne soit plus utilisée pendant les retenues. L'aura de ces thérapeutiques persiste. Leviosa. Defendo. Action. Defendo. Refuso. Defendo.
Il y a un port, mais rien de... T'as rien à aller là, je pense. Nintendo. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Ce livre qui contiendrait des créations originales d'El Gapoussouf ressemble à une recette préférée des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats comme les prunes digérables ou vinaigre finissent par être appréciés avec le temps. Réveillon. Il y a un chemin par là, mais...
C'est un passage secret qu'on débloque plus tard. Avec les missions. J'ai toujours dit que voyager ouvre. Rebellion. Ça c'est là. Ça c'est où j'étais tout le long, en fait. On va pas retourner là. Allô, Mora. Tu vois, mon micro coupe, c'est tannant, là. Rébellion. Le volume coupe, c'est tannant. Pas attendre comme il faut. Hey Arrow, Julien, comment ça va? Bon, ça sonne. Rebellion. Ah. Le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. Allô, Mora. Il est génial, j'avoue.
Si. Bien que cette gargouille crachant de la fumée semble enchantée, elle est en réalité le chemin de la... Elle est en réalité la cheminée de la salle commune de Pouf-Souffle. Bon. J'en ai nous. J'ai fini le deuxième boss là, tantôt, il n'y a pas longtemps. Réveillon. J'en ai d'explorer un peu là. Rebellion. J'adore déjeuner près de toi. Voyager était incroyablement. J'ai déjà fait l'émission ici. Ouais, ça, j'ai fait ça. Rébellion. On rappelle pas de ce porte-là. T'as fini quoi? Tu joues pas le jeu certain? Rébellion. Eh non, t'as pas fini Howard, t'as même pas commencé à jouer encore. Non, non. Pas stupide là. Lumos. Tu l'as acheté quand?
Revelio. À cet endroit situé en dessous du cours de viaduc, accostent les bateaux en faisant traverser lac noir et les élèves permanents rejoignent un peu de l'art. Revelio. Encore des plages, j'ai pas été. Là, j'ai été. Et à ici, j'ai pas encore été. Là, il y a deux plages, j'ai pas été. Ah, je me trompe de gars comme ça. Qui était supposé de l'acheter il y a deux jours. Ou samedi. Je pense que je me suis trompé. Désolé. Trompé de gars. Revelio. J'ai envie de chercher pour la dernière clé qui vole, puis je la trouve pas, la petite tabarnak. Revelio. Neuf, je pense. Revelio. Et là, je vais arrêter, je vais faire d'autres choses.
J'ai une émission de télé, écoutez. Il y a celle-là que j'arrive pas à trouver, la cour centrale de Poudlard. Ah, c'est dehors, ça. C'est pour ça que tu... Big Brother, que je vais écouter. S'entretenir avec vous quand vous aurez un instant. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Je vais peut-être jouer plus tard, mais je suis pas certain. Je ne suis pas certain.